Congolaises, Congolais, les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la vie provinciale de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya et Bélé, Totombo la Bendele et Ambo Kanabiso. La 12e session de la Grande Commission Mixte RDC République Sud-Africaine s'est clôturée ce lundi 3 juillet 2023 à Kinshasa. Trois jours diront, les experts ont échangé autour de plusieurs thématiques en commission. Il s'agit des commissions défense et sécurité, sécurité publique, sécurité d'État et autres. La cérémonie de clôture au Collège des hautes études de stratégie et de défense a été coprésidée par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, et la ministre sud-africaine de la Défense, Madame Tondi Modise. Le chef d'état-major général des FARDC et son collègue sud-africain ont été représentés à la cérémonie. Dans l'ensemble, les échanges ont été fructueux. Plusieurs résolutions en termes de formation, d'appui aux renseignements, aux opérations maritimes et autres au profit des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise ont été retenues. Plusieurs recommandations ont été également formulées à l'issue des travaux, comme les précise ici le général de brigade Adjonga Massambi Christophe, représentant du secrétaire général à la défense empêché. À la suite de ces exposés, il a été recommandé que la RDC envoie une équipe visiter l'industrie sud-africaine avant la grande proposition bilatérale. S'agissant de cette sous-condition, les propositions seront en effet évoquées. Il a été recommandé que la RDC envoie une équipe d'experts visiter l'industrie sud-africaine de la défense. La République démocratique du Congo connaîtra la liste des spécialistes ou des experts qui visiteront l'industrie des défenses sud-africaines avant la fin du mois de juillet 2023. À travers le monde de l'État. Une invitation sera envoyée avant la fin du mois d'août 2023 en faveur des experts de la RDC pour visiter cette industrie de défense sud-africaine. En ce qui concerne la coopération militaire entre la force navale et la force navale de la République démocratique du Congo et la marine sud-africaine, il est recommandé que les forces navales de la RDC invitent la marine sud-africaine pour des entretiens d'état-major entre la ligne afin de discuter de toutes les exigences en détail et en dehors de cet entretien d'état-major, une étude d'évaluation technique menera une étude pour déterminer l'étendue de portée, et l'approche quant à la manière dont la marine de la RDC peut être assistée. Il a été convenu que la visite aura lieu le plus tôt possible entre la dernière semaine du mois de juillet et les deux premières semaines du mois d'août 2023. En outre, il a été signalé que la RDC avait une nouvelle politique de défense et qu'un travail d'approchement ou d'alignement entre cette nouvelle politique de défense et la stratégie militaire qu'on suit avec les partenaires sud-africains et qui est en cours pour son application. Le copie des recommandations destinées aux deux chefs d'État ont été remis aux deux ministres.
forces armées de la République démocratique du Congo ont célébré le 63e anniversaire de l'indépendance de notre pays avec un exercice paracommando de libération d'otages. Cet exercice aéroporté des simulations d'un raid a eu lieu ce 30 juin 2023 au centre d'entraînement des troupes aéroportées. Dudon chef Liao, en présence du vice-ministre Sami Adubango Aoto de la Défense nationale et son ancien combattant et de plusieurs autres officiers généraux. Le chef d'état-major général s'est fait représenter par ses deux adjoints, le général Ichari Gonza Nduro Jack et le général Kasonga Chibango Léon Richard, en charge respectivement des opérations et du renseignement et de l'administration et de la logistique. L'exercice a consisté au largage d'une section de parachutistes commando derrière les lignes ennemies, avec la mission d'infiltration dans la zone occupée par l'ennemi, de gérer une VIP prise en otage et de l'exfiltrer. Des précisions de l'exercice avec le colonel diplômé d'état-major Essikomonga Eboubou, directeur de l'exercice. Simulation d'une opération de raid. Un sénateur y a eu l'initiative d'aller conscientiser ses frères Kodeko. Il a eu l'autorisation du gouvernement pour descendre sur les lieux. Arrivé sur place, ils se sont décidés de le prendre en otage pour échanger avec leurs frères qui sont arrêtés ici à la prison centrale de Makar. Alors le gouvernement a donné l'ordre au chef d'état-major général pour que les sénateurs soient récupérés de force. Alors le chef d'état-major général à son tour m'a confié de préparer les gens pour exécuter cette mission. Au nom du commandant suprême des FARDC et en celui du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, le vice-ministre Adubango a félicité les paracommandos pour l'exécution correcte de l'exercice. Hello, tomoni, oyo tomonate, ça fait 30 ans. El Bino Bozo Kita. Les largages de parachutistes commando une trentaine d'années après a attiré une foule immense autour de la zone. Des sauts pratiquement envahis. Une façon pour les Kinois et leur armée de célébrer les retours en force des troupes aéroportées. Un des facteurs clés de la montée en puissance des FARDC tel que prôné par les commandants suprêmes. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le colonel Nkulu Kangomba Agnès, point focal genre et famille au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, a effectué du 26 au 27 juin 2023 une mission de travail dans les installations de l'école nationale pénitentiaire de Luzumu dans la province du Congo central. Cette mission a eu pour objet la sensibilisation du personnel militaire féminin sur le genre. À cette occasion, elle a mis les militaires femmes en garde contre les comportements déviants. Elle les a exhorté à la discipline, au respect des valeurs, à la responsabilité et aussi à la dignité. Par ailleurs, le point focal genre a appelé le personnel militaire féminin à dénoncer tous ceux qui se rendront coupables. Je vais parler sur le point comportement. Chef Nabino, il faut assez. Le colonel Jonathan, il faut assez couvrir. Oh, s'il y a un problème, l'autorité déjà va éviter à l'Obakia. Il part. Bien que vous avez isolé, vous avez dit que vous connaissez tout ce qui se passe. En tant qu'une mère, en tant que votre chef, Lelo na telemi li boso na bino. Gapé na kota ki na armé, na za ki lokola bino. Nabi makai pananga nazo kende mosala na zongi pe na ndako nanga na organize pe ndako nanga. Vous voyez pourquoi pas bino ndenge botelemia bokoti na armée na objectif ni
des violations des droits de la femme au sein de l'armée. Le mardi 27 juin 2023, le point focal genre a échangé avec les personnels militaires féminins sur la thématique violation sexuelle dans les milieux carcérales. Cette séance de travail s'est clôturée par un jeu de questions-réponses. Une sensibilisation analogue a été effectuée par le colonel Agnès au camp Luano à Kinshasa. Le concours national édition 2023 d'admission à l'Académie militaire et autres écoles des forces armées de la République démocratique du Congo a été organisé du samedi 1er au dimanche 2 juillet 2023 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Plusieurs candidats à l'Académie militaire, à l'école des sous-officiers, de santé militaire, du renseignement et au cours des bases d'état-major ont participé à ces épreuves d'admission à Kinshasa. L'aumônerie protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo et les centres supérieurs militaires de Mbinza Ozone ont servi de cadre à ces épreuves. Les superviseurs de ces épreuves dans la ville de Kinshasa, le général des brigades Ngoyi Ndombe Ignace, est revenu sur le déroulement de ces concours. Le concours est organisé, nous avions prévu pour aujourd'hui, selon les listes, 1350 candidats. Mais nous avons été surpris qu'il y a un engouement total. Et nous avons dû insérer ceux qui se sont présentés aujourd'hui afin de satisfaire tout le monde. Nous voyons que c'est une très bonne politique que le haut commandement, à la tête duquel le commandant suprême, je disais, c'est une très bonne politique qui est mise en place. Et aujourd'hui, nous voyons les fruits, ce qui fait qu'il y a cet engouement que nous constatons avec un nombre important de candidats. Après avoir fait la formation, la session spéciale, je disais, vont professer dans l'armée conformément à leur spécialité. Quelques candidats ont livré leurs impressions au micro de l'éco militaire. Si vous aviez lu, c'est pas ça, mais si vous n'avez pas lu, vous allez trouver tout noir. Alors nous prétendons toujours de bien travailler. C'est ce qui nous fait qu'on puisse rester jusque-là ici. Et nous attendons la dissertation. Et nous croyons que nous allons bien les faire. Le général de brigade Buyombo Engeba Adou Richard a reçu dernièrement dans son cabinet de travail l'ancien champion de bord Sakoumamba. Les échanges entre le coordonnateur du comité international du sport militaire en Afrique et cet ancien boxeur ont tourné autour de la relance des activités sportives au sein de FARDC. Pour sa part, Sakoumamba s'est dit prêt à apporter son expérience pour élever les niveaux de la bourse dans les rangs des hommes en uniforme, étant un ancien persi retraité de la défense nationale. Pour sa part, Sakoumamba s'est dit prêt à apporter son expérience pour élever les niveaux de la bourse dans le rang des hommes en uniforme, étant un ancien persi retraité de la défense nationale. Ça, il y a un avis, je ne sais pas comment la félicité et la remercier parce qu'il y a eu bien. Ils nous ont oublié. Ça se fait jamais, d'accord. Et puis, il n'y a pas que le directeur de France, il y a l'investisseur communal, il y a un à part le directeur technique de sport. L'occasion faisait les larrons. Buyombo a reçu jeudi 22 juin 2023 le colonel Mbilo, ancien secrétaire permanent du bureau des liaisons et de l'office du SUSM, pour des échanges analogues visant la montée en puissance du sport militaire. Ceci a remercié le coordonnateur du SUSM de l'avoir accueilli et l'a félicité pour le travail qu'il aborde dans le domaine du sport militaire. Je me sens ressuscité dans le domaine du sport. J'étais complètement oublié alors que j'ai fait beaucoup de réalisations dans le domaine du sport, que ce soit le sport militaire, que ce soit le sport civil. Je suis le dernier survivant de tous de ma génération.
Après les territoires de Kouamout, le commandant de la première zone de défense, AI, le général-major Ilondo Ifondo Igo, a effectué le mercredi 28 juin 2023 une mission de commandement et de contrôle en territoire de Kenge dans la province de Kouango. Cette mission lui a permis de se rendre compte de l'activisme de la milice Mobondo dans la région et de prendre des dispositions qui s'imposent pour les retours de la paix dans cette partie de notre pays. Dans son adresse aux militaires du 112e bataillon et celle de la compagnie d'intervention de la force terrestre au camp Gemba, les général Ilondo Ifondo Igo a d'abord transmis les instructions du commandant suprême et du chef d'état-major général sur la loyauté, la discipline et la protection de la population et ses biens. Il a instruit ses militaires à tout mettre en œuvre pour éliminer les phénomènes Mobondo. On a un conflit dans Bango et la communauté. On a un Yaka, on a un Teke. On a un Kwamutu. Bokokuta jamais devant bino ennemi oyo azali na section ya fusilier na bandok azali na peloton azali na compagnie organisée na commandement ndenge bino bozali bami bengi ba mobondo. Le commandant de la première zone de défense a ensuite rendu les civilités au gouverneur du Kouango compagnie en compagnie du commandant de la 11e région militaire. Cette opération de traque et de neutralisation de la milice Mobondo est lancée pour ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État dans les localités meurtries par les Mobondo dans les deux territoires de la province du Kouango. Cette milice, issue du conflit Teke et Yaka dans le territoire de Kouamout, s'est exportée des Maïndombe aux provinces du Kwilu et du Kouango, sémant ainsi la désolation et l'exode de population. Selon le général-major Jonas Padir de la 11e région militaire qui livre cette information à la presse, ces Mobondo tuent et terrorisent la population. Ils extorquent, pillent leurs biens et incendient leurs maisons. Il précise qu'à ces premiers jours de l'opération, la 11e région militaire a mis la main sur une cinquantaine de miliciens Mobondo et a récupéré des armes, dont deux armes AK-47, 10 armes calibre 12, 3 munitions AK et 3 munitions 00, 35 machettes, une flèche ainsi que l'air gris-gris. La 11e région militaire invite la population du Kouango au calme, de vaguer paisiblement à ses occupations et de ne plus paniquer. Elle sollicite également le soutien de la population et sa collaboration en vue de ramener la paix et rétablir l'autorité de l'État, comme le souhaitent les présidents de la République démocratique du Congo, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le général-major Jonas Padi conclut en précisant que ces opérations se poursuivront jusqu'à la neutralisation totale de ces Mobondo. Ouverture du tournoi sportif inter-grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo, garnison de Kinshasa. Dans le cadre de la célébration du 63e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo a organisé des tournois sportifs de Nzango et football. Grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont débuté ce jeudi 29 juin 2023 au camp lieutenant-colonel Kokolo. Le lancement de cette tournoi était présidé par le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements, le général-major Ishali Gonza Nduru Jacques, représentant personnel du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Je déclare le lancement officiel du tournoi du 63e anniversaire de notre pays à l'indépendance et je vous souhaite bonne chance, que le meilleur gagne. En présence de commandants de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo, des garnisons de Kinshasa. Dans ce moment de circonstances, le président du comité d'organisation, le commandant du 14e région militaire, le général-major Izimu Mbuyu Stazin, a circonscrit les cadres sur les objectifs de ces tournois sportifs des deux disciplines, à savoir l'Nzango et football.
Après la prestation des serments par les athlètes, s'en est suivi les défilés militaires et les coups d'envoi du tournoi qui vont se clôturer le 6 juillet 2023. Deux équipes de Nzango étaient entrées en lycée, à savoir l'équipe du bataillon Grand Quartier Général contre celle du service des communications d'information des forces armées au terrain de l'état-major général. Au finish, les commandants 14e région militaire, commandant place ville province de Kinshasa, président du comité d'organisation a livré ses impressions à la caméra des éco-militaires du service des communications et d'information des forces armées. Le chef d'état-major général pensait à commémorer cette date autrement avec les militaires et leurs familles. C'est un plaisir, un immense plaisir. Et donc voilà pourquoi le chef d'état-major général de notre armée a décidé à ce que, contrairement à la coutume, qui le plus souvent a toujours fait à ce qu'il y ait un grand défilé militaire, évidemment. Cette fois-ci, on a décidé à ce que dans la garnison de Kinshasa, dont je suis le responsable, nous puissions commémorer ça d'une autre manière. C'est-à-dire que organiser des jeux, des grandes unités, donc des équipes en zango et en foot, et un championnat, un tournoi est organisé. Et voilà, c'est aujourd'hui que le lancement a été effectif par le chef d'état-major général des forces armées, représenté par le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements. Et donc, l'impression d'une manière brève est très bonne. Quand de la vie d'Isiro, ses épouses de militaires comptaient en plusieurs centaines dans cette salle paroissiale de la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus pour réserver un accueil chaleureux à l'une d'elles, Madame Générale Kalonda, de son nom propre, Myriam Kiswahila. Même officier supérieur de son état au grade de colonel. Madame Générale Kalonda, dont l'époux est le commandant du secteur opérationnel des Ouélé basé à Dungu, vient remonter le moral de ses semblables. Dans son message, le numéro 1 des épouses de militaires des Haut et Bas Ouélé les invite à bien jouer leurs différents rôles aux côtés de leurs époux qui ont choisi de servir la nation sous les drapeaux. L'épouse d'un militaire est avant tout une ménagère, une mère, une éducatrice et une conseillère pour son époux, indique Maman Générale Kalonda. Pour elle, le militaire ne peut bien défendre l'intégrité du territoire national que lorsqu'ils sont bien encadrés, bien gérés et bien occupés par leurs épouses. Ce n'est pas tout. La Maman Générale Kalonda en appelle à un élan de solidarité entre les épouses de militaires à tout temps et en toutes circonstances et doivent préserver la dignité, l'honneur et la noblesse de la mission de leurs époux. Maman Générale Kalonda, le colonel Myriam Kiswahila annonce aux épouses de militaires de la garnison d'Isiro qu'elle a sollicité et obtenu du gouverneur Christophe Bassiani Nanga le forage d'eau potable au camp et c'est dans un bref délai. Nouvelle applaudie par le bénéficiaire. Et désormais, on reconnaîtra les épouses de militaires lors des grandes cérémonies par un uniforme dont elle a assuré les frais de transport jusqu'à Isiro. C'est dans une ambiance de convivialité totale entre les épouses de militaires d'Isiro et la première d'entre elles pour le secteur, Maman Générale Kalonda, que cette séance s'est clôturée.